Pourquoi on a choisi de parler des infrastructures pour cette étape du Rexbin Tour qui se passe à la Grande Motte? C'est parce qu'on a peu de Rexbin Tour qui ont parlé d'infrastructures. La plupart ont parlé de bâtiments. Dans les infrastructures, quand on nous parle de BIM, on nous parle d'associer des data à des objets techniques. Et ça, on connaît. Nous, on a un outil qui s'appelle le SIG dans les infrastructures qu'on utilise depuis pas mal d'années. On nous parle aussi de 3D, et la 3D, ça fait longtemps qu'on l'utilise aussi dans nos projets. Par contre, on nous parle aussi de travail collaboratif autour des projets, et là, ça paraît beaucoup plus intéressant pour nous. Donc, c'était l'idée de développer ces trois aspects, mais surtout le dernier.